Bonjour à tous. Partez aujourd'hui à la découverte de la catégorie brasserie, bistrot, restaurant bistronomique et du prix spécial meilleure progression de carte avec notre partenaire France Boisson. Le Tour des cartes, c'est un partenariat qu'on a depuis 5 ans. Et donc, en tant que distributeur de vignerons, c'est important pour nous de mettre en avant les vins. Et quoi de mieux qu'une carte des vins pour faire ce travail de mise en valeur des vignerons, des terroirs, etc. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi d'être partenaire de ce très bel événement. Je viens de remettre le prix spécial de la meilleure progression de carte à l'ambassade d'Auvergne. On a choisi cet établissement parce que c'est vraiment un ambassadeur de sa région, tant dans les plats que dans sa liste de vins qui est très locavore. Un prix de la meilleure progression en nombre de références, et aussi on souligne l'effort qui est fait sur les prix puisque eux ne progressent pas et permettent donc aux clients, aux convives d'accéder à la carte et de se faire plaisir. Évidemment, année particulière, on le savait déjà, hein, mais on est tous dans le même bateau. Et nous, en tant que distributeurs, on a fait le lien entre les producteurs et les restaurateurs. Nos équipes ont été au plus proche des restaurateurs pour les accompagner tant dans la fermeture, la gestion des stocks, la fermeture des différentes sanitations, etc. Et puis, de manière beaucoup plus joyeuse, on a été à leur côté pour la réouverture. Et à travers ces belles cartes des vins, je nous souhaite à tous une très belle saison d'été 2021. Quelques mots pour présenter notre établissement qui se situe à Rouen, en plein cœur du centre-ville, le Petit Zingue, établissement que j'ai repris, qui a été fondé en 1922, mais que j'ai repris en 2014. Donc, un concept de bistrot, bistronomie. Notre objectif, c'était de revisiter les vieux plats de bistrot pour qu'ils soient un peu plus accessibles aux nouvelles générations et que ces plats continuent de perdurer. Donc, ça va par une revisite de la tête de veau, du rognon entier, des riz de veau. Avec cette revisite, cet esprit bistrot, bien évidemment, le vin a toute sa place. Le vin, c'est le partage, c'est l'échange sur nos expériences. Donc la philosophie qui nous a animés, c'était de créer une carte qui puisse faire découvrir à l'ensemble de notre clientèle la richesse de tous ces vignobles français, plus ou moins connus, avec des appellations méconnues du grand public. Donc on a vraiment fait un vrai travail de fond pour essayer de construire une carte où on pouvait retrouver tous les territoires viticoles français. Le vin, c'est le partage, la découverte, mais il y a aussi aujourd'hui la société, les gens travaillent, conduisent, donc n'osent pas aller sur des appellations méconnues. Donc on s'est dit, la meilleure solution, c'est de développer notre gamme de vin au vert. Aujourd'hui, on a entre 60 et 70 références de vin au vert, pour nous permettre de faire un tour global pour les vrais amateurs de France, hein, puisqu'on essaye d'avoir des vins au vert de chaque région, voire de chaque couleur. Alors, l'ambassade d'Auvergne est un restaurant traditionnel, régional, comme son nom l'indique, où on attache une importance au terroir, que ce soit sur la carte des vins ou dans les produits qu'on utilise en cuisine. L'idée, c'est vraiment un sourcing régional, plus par exemple sur la cuisine que des anciennes recettes qui sont un peu tombées dans l'oubli, qu'on relancera peut-être dans quelques années quand elles reviendront à la mode. Mais là, on est vraiment le maître mot, c'est le produit, donc que ce soit sur les vins ou dans l'assiette. Nous avons reçu le prix de la meilleure progression de la carte des vins. C'est un honneur et c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'idée de ce qu'on a du terroir d'Auvergne, viticole. C'est-à-dire que les vignerons travaillent beaucoup, la qualité des vins progresse, donc c'est vraiment en adéquation avec le prix qu'on a reçu aujourd'hui. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là.